La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon Sauveur. La victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus, la gloire, alléluia. À l'agneau, gloire, 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 puissance à l'agneau. Gloire, 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 alléluia, alléluia. La victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus, la gloire, alléluia. À l'agneau, gloire, 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 puissance à l'agneau. Gloire, 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 alléluia, alléluia. La victoire est dans le sang. Alléluia. Je veux être comme Jésus, je veux être comme Jésus, oui, tout au long du voyage de ma vie, de ma vie, de la terre à la gloire, je demande seulement à être comme chanter, oui, chanter. Que le Seigneur nous bénisse richement. S'il vous plaît, levons-nous, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 66. Psaume chapitre 66, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 66, nous lisons la parole du Seigneur. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancela. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux,
mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Il m'a sauvé par la vie, par son sang. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Moi je vis pour lui. Oh oui, pour lui, alléluia, je vis, oh gloire à Dieu. Moi je vis pour lui, alléluia, oh oui, pour lui, alléluia, je vis, oh gloire à Dieu. Oh, que ton nom soit béni, notre Père, nous vivons vraiment. C'est une grâce, allégresse, mon bien-aimé Père Saint, parce que tu as voulu que nous puissions vivre, Père. Et nous sommes heureux de vivre réellement pour toi, de te servir encore dans ce temps où nous sommes, mon bien-aimé Père. Quelle grâce de pouvoir vivre dans cette tâche de la Odyssée. Seigneur Jésus, où tu as eu à pouvoir vraiment faire des promesses qui sont aussi certaines et véritables, mon roi. Et nous sommes bénéficiaires de cela, Père Saint-Dieu. Et nous te remercions vraiment de ta main puissante qui nous conduit, Père, qui nous éclaire encore davantage et qui nous soutient sur ce chemin que tu as toi-même tracé, Seigneur, et nous voulons marcher avec toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, avec assurance, mon sauveur, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es aussi notre lumière qui nous éclaire encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, un appui certain dans notre marche, mon bien-aimé. Merci encore pour cette bénédiction, la grâce de toi, mon bien-aimé Père Dieu, de pouvoir chanter les chants de Sion encore aujourd'hui, Père. Nous réalisons que c'est vrai, comme nous l'avons chanté, tu as fait et tu feras encore des grandes choses pour nous, Père Dieu. Béni soit ton Seigneur encore pour ta bonté à notre endroit, Père. Nous pensons à tous nos précieux frères et sœurs. C'est vrai, nous les aimons vraiment beaucoup là où ils sont, Père Dieu, sur les îles, Père Tibissant, Dieu, dans les pays les plus lointains, mon bien-aimé Père Dieu. Souviens-toi de ce peuple qui est à toi, qui est là à l'écoute tout le temps, bien-aimé Père Saint-Dieu, qui se donne réellement de tout son cœur, mon bien-aimé Père Dieu. Seigneur, c'est pour ta gloire à toi. Viens-nous en aide encore aujourd'hui, Père. Merci pour chaque cantique qui a été chanté. Merci encore pour les enfants qui ont chanté ta gloire encore ce soir. Oh Dieu, pour tout ce qui a été fait encore en ce jour. Nous le faisons de tout notre cœur pour que tu sois aussi glorifié. Sois béni et glorifié, Père Saint-Dieu, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours un bonheur, une reconnaissance à notre Dieu lorsque nous pouvons nous rassembler et aussi chanter pour sa gloire. Car comme la Bible dit, la louange sied aux hommes droits. Nous prions que le Seigneur nous tienne vraiment, afin que chaque chose que nous pouvons faire, et surtout qui a trait à sa parole, effectivement, pour le service aussi, que nous le fassions de tout notre cœur, pour que le Seigneur reçoive vraiment, parce qu'il en est digne, pas la moitié de l'adoration, mais vraiment la pleine adoration de notre part. Même si, c'est pour ça que je crois que ça doit être Jean-Baptiste, mais si c'était, ou bien si, mais les pierres crieront, même si les hommes ne veulent pas chanter. Mais il y a toujours un qui est là, que Dieu aura accordé la grâce de pouvoir réellement aussi apprécier ce que Dieu a fait pour lui, comme nous le chantons aujourd'hui.
C'est à nous de pouvoir vraiment aussi glorifier Dieu pour que le païen, peu importe ce qu'ils peuvent être aujourd'hui, puisse voir qu'il y a quand même un peuple, peu importe ce qu'il en est, mais qui s'accroche à ses dieux. Il y a certainement, je pense que tout un chacun de vous aille pouvoir peut-être l'entendre, de quelle manière on a eu à exprimer les choses, effectivement, que la loi aujourd'hui, donc, la juridiction des humains, en fait, comme ils le disent, les tribunaux ainsi ont le dessus sur tout ce qui concerne les choses de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et c'est la justice, quand il prend sa décision, et peu importe ce qu'il en est, effectivement, même pour les églises, pour ceci et pour cela, mais c'est toujours eux ceux qui doivent décider qui doit être fait. Nous comprenons que le monde a toujours rejeté Dieu, effectivement. Et cela, c'est effectivement aussi ce qu'il a né avec l'âge de la Odyssée dans lequel nous sommes, effectivement, comme nous le disons, nous faisons donc l'histoire de la Odyssée. Le Seigneur est donc tenu dehors. À l'intérieur, les gens proclament son nom. C'est surtout la religion, en fait, qui prime, ce qui fait que l'homme a été tellement... l'esprit tourné, la pensée tournée, effectivement, et qu'il acceptait donc la religion comme la chose faite, effectivement. C'est ce que le monde est en train de pouvoir avancer avec, effectivement, la religion. Mais il croit, effectivement, qu'il serve Dieu, mais en fait, en réalité, il serve une religion. Et nous pouvons aussi remarquer que, certainement, que bien que les décisions aient été prises, effectivement, dans ce royaume-là, de Nebuchadnezzar, ainsi de suite, et tant d'autres, et que le peuple qui était vraiment consacré à Dieu marchait selon la parole de Dieu. Vous vous souvenez des trois Hébreux croyants? Sache, ô roi, nous ne pouvons pas nous agenouiller, car notre Dieu est aussi capable de pouvoir aussi nous délivrer de cela. Certainement, les choses commencent à pouvoir vraiment entrer très sinueusement et que les gens ne se rendent pas compte, mais le monde devient encore plus sous le contrôle de ce qui est mal. Et qu'aujourd'hui, ce qui est bien ne peut plus être apprécié. On élève en fait le mal, on élève en fait le mauvais, tout ce qui est laid devient de plus beau maintenant, et on apprécie ce qui n'est pas agréable. Donc effectivement, on prend tout ce qui est... Les ténèbres est tellement maintenant psalmodié, quoi. Donc on élève effectivement cela, et les enfants se trouvent aussi être inclus là-dedans, parce que les grandes personnes, les poussent là-bas à pouvoir vraiment aussi... Quand je regardais l'autre fois, je ne sais pas dans quel circonstance là, je vois bien un monsieur là qui a bien au diable. Il était tout content de pouvoir être le diable. Et oui, c'est comme ça aussi la nation. Donc, on supporte le diable, on appuie le diable, on va supporter et crier pour le diable, avancer le diable. Mais vous ne vous rendez pas compte, effectivement. Et il s'habille comme le diable. Donc, effectivement, il faut supporter le diable. C'est-à-dire qu'il faut appuyer. Bon, c'est comme ça. Mais en fait, les gens posent des actes sans se rendre compte de ce qu'il y a derrière. Mais nous devons être vraiment prudents dans toutes choses. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous laisser surtout entraîner dans les train-train de ce monde. Tout ce que le monde va donner aujourd'hui, il n'y a absolument rien de bon. C'est pour ça que nous l'avons entendu aussi, que le Seigneur nous a dit, « Sortez du milieu de mon peuple, séparez-vous. » Ne copiez pas le comportement des gens dans ce monde. Effectivement, ne copiez pas l'habillement des gens. Ne copiez pas les coiffures. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a une conduite que nous devons donc adopter. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont donc conduits par l'Esprit du monde. Et alors, c'est comme cela que, sans se rendre compte, on voit que le monde entre déjà d'une manière aussi sournoise. Et nous pensons qu'effectivement, que nous pouvons maîtriser le monde. Nous, en fait, que quand vous laissez le monde entrer, il va vous engloutir. Parce que la Bible dit, hein, les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes. Ça, on le répète toujours, mais en fait, on ne fait pas attention. En fait, on a l'impression que nous, on va maîtriser cela, effectivement. On maîtrise les choses quand on est en dehors. Mais quand on est en dedans, on ne sait pas maîtriser, en fait, parce qu'on est aussi saisi par cela. Frères et sœurs, le temps est fortement avancé. Et nous ne devons pas marcher selon le train-train de ce monde, les habitudes même de pouvoir être... Il faut que nos réunions, nous puissions avoir à pouvoir dire, Seigneur notre Dieu, ce que je veux, ce que tu me montres effectivement ce qu'il en est. Parce que maintenant, je vois que les choses ne sont plus comme on pouvait imaginer. Mais on voit vraiment que nous sommes à la fin.
de la fin de temps aussi. C'est ce temps, effectivement, où les démons et l'enfer se déchaînent. Donc, on remarque, effectivement, que la vie même, effectivement, elle change. Vous vous rendez compte qu'effectivement, que, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais le mal est psalmodié, c'est-à-dire qu'il est élevé, en fait. Et en plus, on finance même pour que le mal soit, puisse aller de l'avant. Mais quand on parle effectivement de choses qui concernent Dieu, alors là, c'est autre chose qui sort maintenant, parce qu'on ne peut pas parler de Dieu. On ne peut pas effectivement. Mais maintenant, c'est l'homme qui doit maintenant prendre le contrôle et qui décide effectivement de cela. Gloire soit rendue au Seigneur, de ce qu'il nous a accordé la grâce de pouvoir avoir la lumière qui nous éclaire, pour que réellement nous puissions tenir ferme. Et comme elle a dit, vous aurez des tribulations, mais ne craignez point, car j'ai vaincu le monde. Nous nous tenons à cela. Dans le livre des Actes, au chapitre 14, nous lisons une portion de l'Écriture ici. C'est cela, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Actes, au chapitre 14, nous pouvons lire, c'est cela, oui, à partir du verset 15. Peut-être verset 14. Donc les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant. C'est Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, et en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous voulons de tout notre cœur te remercier encore pour le privilège que nous avons d'être là dans ces lieux, d'entendre vraiment ta parole à toi qui touche nos cœurs, Seigneur, qui nous redresse encore davantage, mon roi, qui nous positionne surtout dans les choses qui te concernent, parce que c'est maintenant le temps de pouvoir prendre position, Père, être positionné effectivement pour en perturbissante, c'est temps béni, Père Saint-Dieu, et dans ce corps béni, Père Saint-Dieu, pour que chacun de nous puisse te servir, effectivement, Dieu, pour que, comme tu as établi, effectivement, ces tempos, ces rythmes, effectivement, que tout le corps puisse fonctionner selon, donc, ta parole à toi. Sois béni, parce que nous voulons pas marcher comme nous voulons, Père Saint-Dieu, mais nous voulons vraiment revenir à l'obéissance et à marcher conformément à ta pleine volonté. Merci encore pour cette soirée, pour la parole que vous venez de lire, Père Saint-Dieu. Pardonne-nous, Père, pardonne-moi, aide-nous encore, Père Saint-Dieu. Car nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà que, vous pouvez vous asseoir. Voilà qu'effectivement, que nous lisons là, il y a cet acte qui s'est posé, effectivement, lorsque ces hommes-là ont pu voir, effectivement, parce qu'ils avaient toujours, effectivement, leur façon de pouvoir vraiment voir, puisqu'ils étaient donc élevés, éduqués et enseignés, et puis conduits un peu ainsi dans ces choses-là, et ils adoraient, effectivement, des statues, si vous pouvez le lire un peu plus loin, ils ont des statues, effectivement, aussi. Mais quand ils ont vu, en fait, ces hommes, parce que, bon, on leur a parlé, mais toujours, ils avaient ce qu'on appelle la mythologie, ils sont donc des mythes, en fait, des histoires racontées, en fait. Avec des divinités, effectivement, dont on a raconté des histoires. Mais c'est comme cela qu'ils ont eu à pouvoir croire, effectivement, aussi. C'est comme ça que leur façon de vivre, leur croyance était ainsi, en demeurant, effectivement, dans la mythologie, dans des choses qui sont des mythes, effectivement, et en agissant selon, effectivement, ceux qui s'appelaient donc des prêtres, et donc de cette mythologie, donc c'est-à-dire des prêtres qui servaient de Dieu comme Jupiter et tout ça, et Diane la déesse, et comme il dit, effectivement, vous le savez, ainsi de suite. Alors, dans cette façon de pouvoir aussi croire, effectivement, ils avaient une adoration qui était donc approprié à eux, effectivement, en offrant, effectivement, des taureaux, de ceci et cela, à des divinités, effectivement, qui sont, pour eux, qui croient, effectivement, que ces offrandes, eh ben, les divinités, effectivement, aussi les agréent, et puis ils les rendent de bienfaits, effectivement, comme ils avaient des dieux pour la pluie, pour ceci, pour cela. Mais là, cet homme de Dieu, et avec Barnabas, tous les deux, en arrivant dans cette contrée qui était païenne, effectivement, qui ne connaissait que les divinités, la mythologie, effectivement,
mort. Alors, ils ont donc annoncé, et là, la parole de Dieu, mais d'abord, il y a quelque chose de tellement extraordinaire qui s'est passé, effectivement, comme la Bible le fait savoir ici. Il y avait donc un apôtre, un homme, enfin, boité de naissance, effectivement, qui était donc là, dans cette contrée. C'est écrit ici, au verset 8, il dit, à Lystra, s'était né assis un homme important de pied, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché, et il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. C'est merveilleux, ça. Et j'aime cela parce que on nous dit que pendant que Paul prêchait, il regardait la congrégation. C'est ça, en fait. Et dans ses regards, effectivement, dans la congrégation qu'il a regardé, il y avait un homme qui était là, mais il aspirait la parole. Il buvait la parole, effectivement. On voit que la parole qui était prêchée, il la croyait, il la recevait, effectivement. Ça faisait quelque chose dans la personne. Alors là, à ce moment-là, l'atmosphère change. Oui, vous pouvez, mon frère et ma sœur. C'est vrai. C'est cette position que vous avez, en fait, vous l'avez toujours eu à entendre, en fait, à parler, effectivement, ici, mais vous ne le prenez pas en considération, en fait, en réalité. Mais quand vous vous tenez dans une position, effectivement, devant la parole de Dieu, peu importe l'état dans lequel vous pouvez vous trouver, on n'a même pas besoin de pouvoir vous toucher. Hein. Mais sa parole guérit. Amen. Mais oui, mais je crois de tout mon cœur que vous le croyez, mais sa parole guérit. Parce que c'est la parole de Dieu qui guérit. Donc, quand nous sommes effectivement dans cet aspect, dans cette atmosphère, effectivement, nous, parce que c'est comme ça qu'elle doit être un croyant, en fait. Elle vient, et voilà. C'est toujours un peu impressionnant. Quand on regarde, c'est quand même les gens qui sont quand même parfois à l'extérieur, et quand ils entendent la parole de Dieu, par rapport à ceux qui prétendent avoir cru, en fait. Les centeniers romains. Vous vous souvenez? Je pense que c'était lui. Et qui, les pharisiens, c'est du Seigneur, poussé par traiter de tous les noms, effectivement, et qui lui, il dit? Parce qu'il a dit que mon serviteur est malade, il dit, bon, laisse-moi aller. Il dit, non. Je ne suis pas digne que toi ici, non, que tu entres dans ma maison. Voyez-vous, c'était un étranger. Et puis il dit, je sais une chose. Amen. Que si toi ici, tu dis un seul mot, ça on n'a même pas entendu parmi les juifs qui étaient là. Un seul mot, dis simplement un seul mot. Je suis sûr et certain, un étranger, hein. Je suis sûr et certain que mon serviteur là sera guéri. Amen. Vous vous souvenez de cela, non? C'était un Romain. Je crois que ça doit être romain ou italien, mais ouais, alors aussi c'est romain, évidemment aussi, et qui tient un tel langage, effectivement. Mais parmi les juifs, là, qui croyaient, effectivement, qui avaient reçu, qui avaient cru, effectivement, parce que j'ai dit que, au prophète, là, etc., mais il n'y avait pas de ceux-là qui, nonobstant ce qui était aujourd'hui, de ceux-là qui pouvaient, il ne m'a pas dit que vraiment, vraiment, c'est que toi, tu es dû le croyant, et critiquer toujours. Parler toujours, effectivement, parce que. C'est comme ça que c'était, mais un païen. Alors, si nous regardons encore, deuxième chose. Alors, il y avait un homme, toujours un étranger, toujours, Corneille. Corneille, là, vivant dans cette ville-là où il y avait les souverains sacrificateurs, des lévites, des ceci qui offraient, qui priaient, qui levaient les mains. C'est à Corneille. Que l'ange vint et lui parla. Il dit, tes prières, tout le monde sont montées, effectivement. Un homme comme cela, un étranger, et puis, il n'est pas de la race d'Abraham. Israël, je veux dire. Alors, il entend, il voit que l'ange est venu lui parler, effectivement, il tremblait. Fait venir Simon le croyant, vous connaissez cela, effectivement. Et quand Simon, on l'a envoyé pour aller chercher, vous connaissez ce qui s'est passé. Lui, ici, étranger, voyons. Il a invité ses amis, il a invité toute sa famille, effectivement, le membre de sa famille, tous ensemble, effectivement, étaient là. Pour la première fois. Des païens, quoi. Rassemblés dans un endroit. Alors qu'il y avait des croyants, mon frère et ma soeur.
Oh, de ceux-là qui s'agenouillaient là-bas dans les temples, qui tapaient la poitrine, hein, et qui étaient vraiment ceci, qui connaissaient la loi, qui connaissaient ceci, et ceux-là, effectivement, qui ont prié les dieux d'Abraham. Effectivement. Ils étaient là, tous. Mais là, c'était des païens, des païens. Je veux que vous compreniez, frère et sœur, que les habitudes que nous adoptons, ce sont ceux-là qui nous détruisent, en fait. Nous sommes, et l'autre qui est à côté, ça ne vaut rien. C'est comme ça qu'ils étaient, en fait. Et voilà que, quand Pierre est entré, il a dit, mais vous savez que il est interdit à un juif d'entrer dans la maison d'un païen. Vous vous souvenez? Vous avez quand même lu, non? Tout de même, s'il vous plaît, si vous avez lu, alléluia, amen. Oui, parce que souvent, je pose la question comme ça, mais je vais commencer à dire, si quelqu'un n'a pas lu, je relis. Mais vous connaissez que nous sommes mardi, et les temps, c'est toujours court. Si, c'est peut-être un dimanche avant encore. Mais mardi, jeudi, c'est tout. Alors, voilà, dit, mais Dieu m'a appris. Vous connaissez ce jour-là, non? Dieu lui a appris. Il n'est pas méprisé, personne. Mais quand tout lieu, vous connaissez là-dedans, non? Et puis c'est pour ça que je n'ai pas hésité à pouvoir venir. J'ai accepté parce que Dieu m'a appris, il m'a repris, il m'a appris que ce que je considère comme pur ne regarde pas comme impur. Alors il est rentré donc maintenant. Alors Cornel lui a dit une chose. Regardez, c'est là que nous pouvons les dire peut-être ensemble à ce moment-là. Vous voyez comme ça. Chapitre 10 des Actes, Cornel. Nous arrivons quand même ici à... Oh. Et je crois que c'est là où il est. Voilà. Verset 34. Et d'abord, voilà, je dis quand même verset 30. Corneille, donc... Maintenant, je vais quand même sur verset 25. Hein? Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, hein, vous voyez, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi, je suis un... » Vous voyez la nature de tout véritable serviteur de Dieu. C'est pas qu'ils veulent faire ça pour simplement qu'ils mettent. Non, c'est la nature qu'ils ont. Ils ne peuvent pas chercher l'adoration, l'élévation. Ils n'en ont pas besoin. Parce qu'ils savent. Mais c'est que ça, c'est Pierre qui a dit, non? Et nous avons lu tout à l'heure avec Paul aussi, non? Vous vous souvenez plus, frère? Mais dans Acte 14 que nous avons lu. Pour les Barabbas, ils déchiraient leurs vêtements parce qu'on venait pour pouvoir les adorer. Vous vous souvenez, non? Mais aujourd'hui, il ne faut même pas supplier les gens. Ah, que vous, ils aimeraient bien que vous élevez sur le piédestal. C'est là que vous comprenez qu'il y a des faux. C'est vrai, frère. Il faut les tester. Les faux aimeront toujours les applaudissements. Ils aimeront toujours la gloire des hommes. C'est pour ça qu'ils vont prêcher dans le sens que les hommes sont là pour pouvoir plaire. C'est toujours comme ça. Et c'est, d'ailleurs, vous savez que c'est dans la Bible. Hein, hein, sache qu'il est dans les derniers temps. Il dit, mais toi, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non favorable. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas. Voilà, c'était pas une chanson, mais c'était la vérité. Hein? Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils n'aimeront jamais les fouets d'habiller de l'évangile. Jamais. Ils aiment bien entendre, ah, nous avons pris ma promesse d'arriver, et bien, on va rentrer au ciel comme ça, pas de souffrance, Dieu soit béni, je suis rentré dans la mission. Alléluia, l'enlèvement aura lieu. Dieu n'est pas un éboueur, hein? N'oubliez jamais ça. Saint et l'éternel. Et qu'est-ce qui te sanctifie, toi? Ah, n'oubliez jamais. Sanctifié par ta vérité, ta parole et... Voilà, mon frère et ma soeur. Alors, nous étions ici, d'autres vont dire... Non. Lorsque Pierre, donc, verset 25, donc Corneille qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et s'est posé. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » On reconnaît toujours d'où Dieu nous a ramassés. Parce que je ne peux pas me tenir comme si j'étais plus important que mon frère et ma soeur. Non, nous sommes tous... Moi, j'ai été ramassé plus bas que toi, peut-être.
Alors, de quelle manière, par quel moyen, moi, je peux maintenant me sentir plus que toi? Ça, c'est ça le problème. Et vous savez, nous savons, la Bible nous l'a dit, hein, si l'orgueil passe par-dessus, c'est que le diable est déjà entré. Donc, tu es déjà souillé. C'est ça le problème. Et ça, les gens ne prêtent pas attention à cela. Mais c'est cela le problème. Bon, il dit, alors, donc, moi aussi, je suis un homme. Et, conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. On se pose la question de pouvoir savoir. Mais qui pouvait avoir dit à Corneille de pouvoir rassembler les gens? Parce qu'il pouvait simplement dire, vous savez que toi et ta famille, c'est-à-dire qu'il bon, pouvait arriver à pouvoir dire, bon, je pense. Mais là, il a pris beaucoup de gens. Ça. Parce qu'on nous dit, ici qu'il trouva beaucoup, de personnes réunies. Vous comprenez? Alors, il dit, mais vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Vous voyez, il avait ses pensées là auparavant. Quand il regardait quelqu'un, il a souillé, il était un souillé, il était un impur. Mais c'est ce que Dieu nous enseigne. Donc, je crois que Dieu nous a appris à nous. Quand je regardais un frère, pour moi, il n'est pas un frère souillé. Quand je regarde une sœur, pour moi, il n'est pas une sœur impure. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que Dieu veut que nous puissions avoir des regards purs. Et ça, que Dieu nous aide. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Nos regards sont toujours des regards de jugement. Il est, et il a fait. Mais tu oublies que toi aussi. Tu condamnes les autres. Mais tu ne te juges pas toi-même. Ah ben oui, c'est ça le problème en fait qui fait que on n'a pas l'humilité parce qu'en fait déjà quand on juge les autres, on se sent beaucoup plus à distance. C'est ça le problème. Mais si toi tu te tournes, pose-toi un peu la question. Si c'est que lui l'a fait là, si toi tu ne l'as jamais fait. Parce que lui son péché a découvert. Mais les tiens, il y a beaucoup de journaux, beaucoup de papiers au-dessus, tu sais très bien. Est-ce que vous comprenez? Elle dit que l'humilité, hein, non. Mais de regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Il faut qu'on change notre façon. Nos regards qu'on pose sur l'un ou l'autre de nos frères et nos sœurs, on doit bien se poser la question. Et si, c'est ce qu'il dit. Il faut toujours demander, mais si le Seigneur était là, vous souvenez, Simon, un pharisien. Simon, il l'a invité. Il l'a laissé. Il n'a même pas là. Avait les pieds ni embrassés, ni même pas le parfum. La femme, là, la pécheresse est venue. Vous vous souvenez? Commencer à laver les pieds en pleurant avec ses cheveux. Et Simon, qui était le saint, a commencé à juger. S'il était une telle femme. Mais lui, il s'est croyé. Vous savez comment le Seigneur, notre Dieu, parce qu'il se voyait tellement pur, les pharisiens, non? Vous savez comment le Seigneur, notre Dieu, le regardait? Ces gens-là qui étaient dans des mois, au vu de la loi, j'ai mis tout en pratique, au vu de ceci, mais celui-là, nous, nous sommes. Ils étaient vraiment des purs et des saints. Mais regardez comment les regards que le Seigneur le posait. Parce que quand tu le voyais de l'extérieur, il n'y avait pas de problème. Quand on voyait la femme là, mais c'était une femme qui est là en enfer. C'est sur les regards qui posaient cela. Mais regardez les regards que le Seigneur lui posait à ceux qui étaient purs, qui avaient saints, qui étaient saints, effectivement. Allons vite dans Matthieu. Matthieu, regardez. Voilà. Matthieu au chapitre 23, je pense que c'est cela, oui. Alors, Matthieu 23. Il dit ceci. Voilà, verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Vous entendez? Hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Est-ce que vous entendez cela? Ce sont des gens qui étaient là, mais ils disent, nous connaissons la loi de Moïse, nous sommes des cieux de Moïse, nous connaissons la parole. Et nous, vous laissez à vos disciples manger sans se laver les mains et tout ça. Vous connaissez, non? Ah ben, on dit, écoutez bien ici, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Ils ferment. Et pourtant, ils disent servir Dieu, non? Est-ce que vous comprenez?
Ils disent bien qu'ils sont là pour servir le Seigneur et que le peuple est égaré. Il faut qu'on puisse les éclairer effectivement ainsi. Et que Jésus de Nazareth était quelqu'un qui égarait le peuple, Paul et les autres. Effectivement, c'est la même chose. Mais écoutez bien, ici il dit, mais parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous entendez cela? Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent. Vous comprenez? Non, je ne pense pas que vous avez compris. Vous comprenez? Est-ce que vous connaissez les pharisiens modernes? Pharisiens, vous connaissez? Amen. C'est quand même extraordinaire. Vous connaissez les pharisiens et les sadducéens? En fait, c'est un. Vous connaissez? Bah, je veux quand même vous montrer un peu. Les pharisiens étaient de qui? Non, ça, c'est dans le livre de Jean, je pense. 9. Vous ne connaissez plus? Ah, ben, c'est du temps avance. Vous voulez que je lise? Vous voulez vraiment? Ok. Lisons. Je crois que c'est dans Jean, chapitre 9. Bon, on ne va pas rentrer dedans. Hein. Jean 9. Et voilà. Et voilà. Pendant que je suis... Je lis quelques portions. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Vous y êtes? Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Il faut que je fasse ce que je fasse. Tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis donc dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloui, donc que signifie envoyer. Il y a là, se lava, s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, mais n'est-ce pas là celui qui s'était né assis et qui mendiait? Les uns disaient non, il dit mais c'est lui. D'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait mais c'est moi. Il dit mais comment tes yeux ont-ils été ouverts? Toi, il dit Dieu, il était aveugle de naissance, donc il n'y avait rien. Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit mais l'homme qu'on appelle Jésus. Il a fait de la boue et a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir des Siloé et lave-toi. J'y suis allé et je me suis lavé et je recouvrais la vue. Il lui dit, mais où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui était aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il a recouvré la vue. Il avait ouvert la vue, pardon. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé. Et maintenant je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, mais cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas les sabbats. D'autres dirent, mais comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Sur celui qui t'a ouvert les yeux. Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvert la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils interrogeaient en disant, mais est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qu'il lui a ouvert les yeux? J'aime beaucoup cette écriture chaque fois que je le lis. Mais comment il voit maintenant ou qu'il lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-les lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Pourquoi? Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Vous voyez? C'est la même chose que maintenant. Hein?
Exactement, des groupes de pasteurs, des groupes de city, ils s'entendent sur des points, ceci et cela. C'est vrai, c'est la vérité, ça. Alors maintenant, ils disent, effectivement, c'est pourquoi tu vas dire ça dans ce livre. Les pharisiens appellèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, mais donne gloire à Dieu. Vous voyez la flatterie, hein? Glorifie le Seigneur. Nous savons que cet homme est un pécheur. Donc, eux, ils ont déjà eu à pouvoir déjà fixer la chose. Ça veut dire, c'est pour ça que bon, les gens avaient peur. Hein? Ils ne pouvaient pas venir à la vérité, en fait. Parce qu'ils empêchaient les gens. C'est ce qu'il a dit. Hein? Ils empêchaient les gens venir à Christ. Mais où est-ce qu'ils voulaient amener les gens? S'ils empêchent de pouvoir venir aller à Christ, ils voudraient qu'ils les amènent où? Alors, nous continuons. Hein? Alors, il répondit, mais s'il est un pécheur, moi, je ne sais. Mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Mais il lui dit, mais que t'a-t-il fait? Et comment t'a-t-il ouvert les yeux? Ça, c'était un problème. Alors, il a répondu, je vous ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ah oui, disciples de Jésus. Vous avez entendu la réponse, ils vont dire, quand il a posé la question, voulez-vous devenir aussi ses disciples? Alors la colère est venue. Il injurie en disant, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de qui? Voilà. Ça montre effectivement l'esprit qui est en eux. Ils étaient donc disciples de Moïse. Ils n'avaient rien à voir avec Dieu. Oui, parce que s'ils avaient à voir avec Dieu, eh ben, ils allaient bien écouter ce que Moïse avait dit. Le Seigneur, notre Dieu, suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Et vous ferez quoi? Vous ne direz pas Moïse a dit, hein? C'est cela. Vous ne direz pas Moïse a dit. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il... C'est toujours été écrit ainsi. Donc, nous comprenons que, comme dans les Saintes Écritures que nous lisons, revenons dans le livre des Actes rapidement pour que nous puissions vous rentrer chez vous, nous revenons dans chapitre 10, verset 10, je relis rapidement aussi, nous rentrons. Alors, il dit ici, voilà, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présentant devant moi. Il dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu se souvenait de tes oreilles. Nous avons parlé des étrangers, non? Donc, il voit l'ange qui lui dit, et puis il décrit effectivement, il répète son témoignage, effectivement, et puis il dit, et envoie donc à Jopé, et fais venir Simon surnommé Pierre, et il est logé dans la maison de Simon Croyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Donc, toutes ces personnes-là étaient donc des païens qu'il a rassemblés. On va quand même pas, on est quand même un peu dit, oh non, frère, il avait rassemblé quand même quelques juifs, mais les juifs ne veulent pas entrer dans leur maison. C'était écrit ici, c'était qui quand même, non? Donc, pas des juifs, effectivement. Donc, c'était dit que c'était des étrangers, membres de sa famille et des amis aussi d'autres, effectivement, qu'il a rassemblés là. Donc, ces gens-là, pour la première fois, ils écoutaient la parole. Mais regardez ce qui s'est produit. Alors, il dit ici, alors Pierre ouvrant la bouche dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais quand toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Gloire à Dieu. Il a envoyé la parole aux filles d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, et après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Donc là, il les annonce, hein. Et alors, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes donc témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays, et les Juifs et Jérusalem, et ils l'ont
et donc tué effectivement en les pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût donc, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons donc mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi donc par Dieu, juge des vivants et des morts. Et que tous les prophètes rendent de lui des témoignages, que quiconque croit en lui reçoit donc par son nom le pardon de péché. Et quand Pierre prononçait encore ces mots, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient quoi? Alors cette écoute était différente. Vous voyez, mon frère et ma soeur, quand vous venez, ne venez pas avec tes habitudes. Vous allez ressortir ici, vous ne changerez pas. Mais la parole de Dieu change effectivement les hommes. Il vous transforme effectivement parce que le caractère... Mais c'est vrai, nous disons, alléluia, mais vous ne croyons pas, mon frère. Déjà, ces hommes n'étaient même pas des croyants, mais des païens. Ils ont entendu effectivement ce jour-là. Et la Bible dit, mais le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient. Combien d'années avez-vous fait sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit? Il ne faut même pas poser la question. Combien d'années? Donc, nous voyons qu'effectivement, que c'est comme cela que là, nous remarquons que l'apôtre Paul et Barnabas, lorsqu'ils parlaient effectivement, leur montrant, quand ils expliquaient effectivement dans le chapitre 14, et montrant à ces hommes effectivement qui étaient là, mais qu'ils étaient en train de pouvoir adorer des pierres de ceci et de cela. Parce que, loin donc. Ce qui est merveilleux, c'est que c'est la manière dont il a exprimé les choses. Que c'est Dieu dans les âges passés. Regardez bien quand c'était écrit dans Actes 14, effectivement, il dit c'est Dieu, dans les âges passés, je crois que c'est cela, oui, verset 16. D'abord, nous voyons ici, verset 16, il dit, c'est Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations, vous écoutez ça, suivre leur propre. Eh bien, il a laissé donc le regarder. Mais c'est parce que Dieu traitait avec Israël. Est-ce que vous comprenez? Mais, dans les versets qui suivent, regardez comment l'apôtre Paul, effectivement, nous amène à pouvoir comprendre et voir les choses de Dieu. Au verset chapitre 17, effectivement, je pense que c'est cela. Hein, nous pouvons les lire avec vous rapidement. Et puis, nous allons donc prier ensemble là. Alors, ici, au chapitre 17, et regardez, et alors là, au verset 23, il dit, « Car en parcourant votre ville, en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. C'est ce que vous révérez sans le connaître, n'est-ce pas? C'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tous ceux qui s'y trouvent. » Vous vous souvenez, non? Ah oui. Et il dit, dans 14, hein, il dit, étant donc le Seigneur du ciel et de la terre, il n'habite pas, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par de mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Comprenez cela. Il n'a pas besoin de votre monde, il n'a pas besoin de votre viande, il n'a pas besoin, tout ça, Dieu n'en a pas besoin. Mais ce sont les statues qui ont besoin des couvertures, ceci et cela, ou bien la viande. Dieu n'a pas besoin de cela parce que Dieu ne mange pas la chair. Est-ce que vous comprenez? En fait, tout ce que Dieu nous demande, c'est toujours pour notre... C'est sûr et certain. C'est... Vraiment, Dieu est vraiment bon. Vraiment, s'il a dit que tu ne voleras pas, imagine qu'on te vole, toi, ton pantalon, je raconte, te vole bien, parce que ça va chercher par moi quelque chose que je peux prendre. Mais ta voiture, tu seras content. Alors, toi qui voles, si on te vole, toi, alors vaut mieux ne pas voler. Donc, je n'attriste personne. Ah oui, parce que demander, vous recevrez, donc je demande. Est-ce que vous comprenez? Donc, la manière dont Dieu nous instruit, parce que parfois, on dit, oh, la parole de Dieu, elle est toujours juste comme ça, mais c'est quand on est, en fait, on n'a pas bien compris les choses de Dieu. Mais bref, ce soir, c'est pas pour rentrer dans la Bible. Alors, lui donc, il s'est dit, non, donc, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait, j'aime beaucoup cela aussi, que tous les hommes
issus d'un seul sang. Est-ce que vous avez entendu? J'aime beaucoup ça, j'aime bien écrire ça partout, dans les journaux. Dieu a fait que tous les hommes issus d'un seul sang. C'est terrible quand même. Comment est-ce que les gens ne peuvent pas comprendre? Enfin bon, bref. Et ça aussi, c'est pour nous aussi. Hein. Parce que plus on devient charnel, plus on commence. Je ne sais pas qui m'avait parlé de ça, je ne sais pas ce qu'il sait. On parlait, oui, qu'il y a de ceux qui viennent de quel pays ou de je ne sais pas où on est. J'ai dit, mais, je lui ai dit, mais ici, chez nous, enfin, dans l'assemblée où nous sommes, je ne vois pas des étrangers. Je veux dire que je ne vois pas que celui-ci, il est de la Chine, celui-là, il est du Bénin, ou il est de Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, ou du Canada, ou des États-Unis, ou ceci et cela. Vous comprenez? Mais c'est toujours difficile pour vous. Vous ne répondez pas parce que quand même vous allez passer pour des. Je ne sais pas moi quoi, mais c'est comme ça chez vous. Je ne veux pas que vous pleuriez, mais je ne veux rien dire, mais c'est comme ça quand même. Quand vous regardez, oh, celui-là, il vient du Cameroun. Non, il ne va pas prendre. Moi, je viens du Tchad. Mais tu vois, je viens du Tchad avec le Cameroun. Donc, quelque part, il y a toujours un souci. C'est la vérité. Tchad et Cameroun, vous comprenez. Mais tu l'as dit qu'ils sont des frères et sœurs. Frères, nous ne sommes pas encore convertis. Mais quand nous avons ces choses inutiles dans notre pensée, qu'est-ce que c'est le Cameroun? Qu'est-ce que c'est que le Tchad? Ce ne sont que des appellations d'une contrée, quelque part. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous soutienne. Lève-nous, nous allons prier. Dieu te bénisse aussi, ma bien-aimée. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons te dire encore merci pour le privilège et la grâce que tu nous accordes. De lumière en lumière, de clarté en clarté, tu purifies, tu sanctifies ton peuple à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh Dieu, que ce peuple ne soit pas comme le peuple du monde, mon Seigneur. C'est un peuple mis à part, mon roi, pour lequel tu as payé le prix. Tu as dit, sanctifie-les par ta vérité, Seigneur. Leurs pensées, leur subconscient, leur mémoire. Seigneur Jésus, il ne peut pas y avoir de tribalisme, de parti pris. Non, Père Saint-Dieu, mais c'est simplement la sainteté, la pureté de notre pensée, notre cœur. J'implore ta grâce encore, mon bien-aimé Père Dieu, que nous puissions considérer, Seigneur Jésus, que nous avons trouvé grâce aux yeux de ce Dieu vivant. Ah, que ton amour inonde encore nos cœurs, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, en voyant ce que tu as fait, ce que tu fais. Mais c'est vrai, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, tu as laissé les nations continuer sur leur chemin, mais tu n'as pas abandonné, Seigneur. Oh Dieu, comme tu l'as dit, que oh Dieu, ce que tu veux, Seigneur, c'est que tous les hommes arrivent à la conscience de la vérité, qu'ils soient aussi sauvés, mon bien-aimé Père Dieu. Merci, parce que tu es vraiment bon, mon roi, Jésus-Christ, mon roi. C'est cette grâce que nous avons obtenue, nous les païens, Père. Sans espérance, sans foi, sans Dieu. Mais tu nous as accordé cette grâce, mon roi. Oh, Jésus-Christ, mon Seigneur Jésus. De croix, béni soit ton Saint-Nom, toi qui nous as vraiment cherchés et que tu as fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. De deux, tu n'as fait qu'un seul, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, pour que nous soyons agréables à Dieu. Béni soit ton nom, mon Sauveur. Merci pour cette grâce et ce privilège, mon roi, que ton peuple ne soit pas comme des païens, mon bénémoine, Père Tibissant, ni dans la conception, ni dans les pensées, mon bénémoine, Père Tibissant, mais qu'ils soient surtout spirituels, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, pour aux pensées, mon bénémoine, Père Tibissant, Dieu. Parfois, nos yeux nous trompent, mon bénémoine, Père Dieu, parce que nous regardons avec les yeux charnels, mais lave-nous encore davantage. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir, Père Saint. Pardonne-nous, Père, soutiens-nous. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour et merci pour ta grâce et pour ta lumière, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qui éclaire encore et davantage, mon roi. Nous voulons être tes disciples et nous voulons marcher avec toi, être conduits, être éclairés par toi. Ne défendre que ta parole à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Sois béni et sois exalté. Bénis ton peuple, Père. Protège, garde et soutiens, mon bien-aimé, parce que tu es vraiment le Dieu qui soutient, qui garde et protège. Oh, je me mets aussi entre tes mains, Seigneur. Souviens-toi de moi dans ta grâce et dans ta bonté, Seigneur. Tu es le Dieu que nous servons, Père. Nous avons besoin de toi, mon Sauveur. Sois béni et sois aussi exalté encore en cette soirée. Merci pour ce peuple qui est resté là, attentif aux immédiats de Père Tibissant. Dieu a écouté ta parole et ceux qui sont aussi en connexion, les différents endroits, dans leurs maisons, différents pays, personnes qui soient aussi bénis parce que très bientôt, nous rentrerons à la maison, Père.
et nous sommes heureux de pouvoir apprendre de toi et surtout d'accomplir ta volonté sur cette terre, comme tu as dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel aussi, béni, Père Dieu. Merci pour ce moment béni, Père. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce, car nous t'avons ainsi prié, mon Sauveur, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.